Et je vous reprends, mais je suis désolé, je viens d'avaler ma gorgée d'orange. Et je suis essoufflée à mort aujourd'hui. Je suis enrhumée, je suis essoufflée, c'est le dernier jour. J'ai dit demain, c'est mort, ils vont pas aller. Tous les deux garçons demain, c'est journée pédagogique. Et je dis, ouais, je me lève pas à 6h30 du matin juste pour mettre deux filles à l'école, alors que ici, là, le dernier jour, il n'y a rien du tout, quoi. Rien. Donc aujourd'hui, les garçons, ils ont juste une matinée, parce que c'est la matinée citoyenne, et qu'il y a la cacahuète, donc chaque enfant, en tout cas dans la classe de Vénitia, chaque enfant se tire un enfant, et il s'offre un cadeau. Et les filles, elles y vont pour voir une dernière fois leurs copines, reprendre des choses, s'il y a à reprendre des choses, voilà. C'est dingue jour. À partir de demain, c'est fini pendant 15 jours, je me lève pas à 6h du matin, pas à 6h30. Mais voilà, Angelina retousse, elle ne sait plus, elle retousse. Donc aujourd'hui, on va chercher du sirop. Et voilà, aujourd'hui, on va aller chez Action, on va aller chercher des petits cadeaux pour mon papa. Ensuite, praline qui joue. Ensuite, je dois passer vite fait chez Aldi chercher des petites choses pour le 25. Et puis ensuite. Je passerai à la pharmacie chercher du Nurofen, de l'Éludril et un sirop pour la toux. Et un spray nasal pour les nez encombrés. Parce que je le sais, qu'on va avoir des maladouilles pendant les vacances. Et cette année-ci, j'ai pas trop l'impression de voir qu'il y a beaucoup de gastro, j'ai l'impression que c'est beaucoup rhinor, grippe, et rhume, etc. Donc voilà. De toute façon, pour la gastro, on sait pas faire grand-chose, à part attendre que ça passe. Au final, on va faire tout ça. Je vais faire mes ongles à 10h, parce que là, j'en ai perdu 3, c'est rare quand je les perds. Je vois. J'ai suis nerveuse en ce moment, et puis peut-être hormonale aussi. J'ai peut-être des soucis hormonaux, enfin des soucis non, mais voilà, je prends la pilule, il pleut. J'ai l'impression qu'il ne fait que ça hier et qu'il ne fait que ça aujourd'hui. Donc voilà, je vais refaire mes ongles, je vais chez Axi, on va faire deux ou trois petites courses, et puis on revient, parce qu'à midi, les garçons reviennent. Et puis ensuite, bah, ça sera la petite, petite après-midi, voilà, ici, cool. Et honnêtement, en ce moment, on est un peu plus cool, on décompresse. On est cool. Pour le souper hier, c'était quick. Et donc, on avait dit qu'on faisait kebab, mais personne. Au final, plus personne n'a envie de kebab, tout le monde a envie d'un quick. Donc, on a pris quick. Aujourd'hui, à soir, je vais faire. Je suis remis, je suis désolée. Je vais faire du poulet, je pense. Non, moi, je suis hyper enrhumée. À deux jours de réveillon, super. On va passer notre réveillon avec des mouchoirs. Bon. Du coup, en plus, j'ai une. Enfin, il fait sombre dans la maison et j'ai un éclairage, mais pourri, quoi. C'est un peu pourri si c'est jaune. T'as l'impression d'avoir une jaunisse tout le temps, en fait. Bon, allez. Oh, je vais réveiller tout le monde. Après, je suis désolée, j'ai couru toute la journée. Je sais pas si vous prendre beaucoup, ça va être un tout petit vlog. Mais c'était le dernier parce que de toute façon, vous aurez celui-ci demain, je pense.
Je dois encore en monter, enfin je sais pas, faut que je regarde parce que franchement là je suis à la bourre aujourd'hui. J'ai pas arrêté de courir, je venais chez Action, j'étais chez Aldi, j'ai été refaire mes petits ongles pour les réveillons. J'ai été chercher de quoi manger des petits apéros de natoire, des chips au chocolat, des choses ainsi, des gaufres, enfin de quoi. Pour le 25, je suis hyper essoufflée. Je n'arrête pas. Parce que là, les garçons sont rentrés à midi. Donc déjà, je suis rentrée, mais faisant qu'à midi car en me déchant parce qu'ils étaient devant la porte. Et puis ensuite, j'étais chez Action, chez Aldi. Enfin, j'ai enchaîné, je suis à bout. Là, je viens de passer un coup d'aspirateur, vous tournez haut l'action, vous tournez la petite vidéo de chez Aldi. Je suis à bout, je suis crevée. Je vous avouerai que là, demain, les enfants, ils vont pas à l'école, c'est terminé. Quoi. Nous, c'était... Enfin, normalement, c'est demain, le dernier jour, mais on a dit non, stop, quoi, c'est fini. C'est vacances, parce que demain, il y a la bûche à faire, et j'aimerais bien dormir un petit peu le matin, donc voilà. Du coup, j'ai trouvé encore de quoi pour mon papa. Ça, c'est bon. Par contre, j'ai pas eu le temps d'enlever les deux derniers cadeaux pour Angelina, mais c'est des gros trucs, donc je me demande si je vais pas juste mettre un petit nœud dessus et les mettre le 24 quand on rentre sous le sapin. Comme ça, quand elle vient, quand elle se lève, bah là, ces deux trucs-là, même s'ils sont pas emballés comme tous les autres cadeaux et qu'elle voit tout de suite ce que c'est, elle les aura vus juste au moment où elle arrive dans la pièce. Mais c'est des grandes pièces et j'aurai pas le temps de les faire. Je viens de me rendre compte que je m'étais coupée. Je ne me suis même pas rendu compte. Imaginez. Je me suis coupée. Donc voilà, du coup, je suis contente. Regardez, ils sont trop trop beaux. Je vais vous montrer l'autre pouce, ça aurait plus facile. Voilà, ils sont trop trop beaux. Du coup, voilà. J'étais chez Action, j'ai trouvé plein de petites choses. J'ai su en partie faire une partie, je veux dire, du panier pour mon papa. Oui, on m'a demandé, donc oui, j'ai toujours mon papa. Et oui, mes parents sont bien divorcés depuis plus longtemps, et depuis 2001, donc voilà, et du coup, mon papa en fait vient le samedi chez maman, donc là où nous, on est nés et on a vécu, donc notre maison familiale que vous avez vu un petit peu en vidéo l'autre jour, et il vient en fait là-bas pour nous voir, moi et mon frère et nos enfants. Donc voilà, donc du coup là je lui ai fait un petit cadeau, ça m'énerve du coup, j'avais des super beaux ongles et je me suis niqué le doigt, ça fait laid du coup, regardez, du coup là, oh j'arrête pas de dire du coup, ça les repart, je comptais laid, pareil que je dis souvent du coup, donc voilà, j'ai pris des petits sweatshirts, je vais vous les montrer pour Noël, pour les deux garçons, et j'en ai pris un pour moi chez Abby, je vais vous montrer ça. Vite fait, j'en ai pris un chez Action aussi, je vous montre ça. Voilà, moi je me suis pris un, il est marqué tout simplement Paris. C'était chez Aldi. Parfois ils ont des belles choses chez Aldi. Voilà, c'est un sweatshirt tout simple, bleu marine, avec des longues manches. Voilà. Et il est marqué Paris dessus, ça c'est pour moi. Pour Valentino, j'ai pris celui-ci. Voilà. Je vais pas tout le déballer, mais voilà, c'est un verre avec un petit renne, c'est juste pour le réveillon. Après, ils peuvent le mettre pour traîner, mais c'est juste pour le réveillon. Et pour Vinicio, j'ai pris celui-ci comme ça. Tout le monde a de quoi, je me suis repris celui-ci de pyjama, c'est un dessous, vous voyez, fleuri comme ça, il est trop beau, c'est une matière trop agréable, et une petite blouse comme ça pour mettre par-dessus, parce que moi j'ai très vite chaud, je vais essayer de vous montrer sur la photo, voilà, et je me suis pris une paire de banilons comme ceci, j'en mets très rarement, donc j'ai pris celle-ci, comme ça je me dis j'en ai deux différentes, et je sais à peu près ce que je dois mettre pour le réveil. Donc voilà, pour ce que j'ai, puis c'était, et puis alors après j'ai été chez Action, et là il y a du brol partout, regardez. Oh, ma cousine est massacrée, j'ai pris celui-ci chez Action, ça c'est pour rester ici à la maison, j'ai pris celui-ci, comme ça, tout doux, et je me suis pris une deuxième paire de pantoufles, parce que j'en ai une déjà au pied, mais alors comme je compte jamais de faire quand même des tournantes, donc voilà. Du coup, je dois ranger tout ce que j'ai pris chez Action. Les grands, moi j'ai resté avec Angie et le petit ici. Je pense que les deux grands vont avec Zoé et leur papa au marché de Noël de Zoé. Et voilà, moi ça va me faire du temps pour préparer le souper. Regardez, je ne dois pas monter une vidéo parce que je crois que je dois vous monter une vidéo. Je ne sais plus du tout où j'en suis dans mes vidéos. Et voilà. Bon, ceci étant dit, je vais regarder plus où j'en suis dans mes vidéos. Et puis ensuite, je vous reprends pour finaliser ça.
Je vous reprends dans mon vlog. J'ai fait l'effort, j'étais chez Aldi, je viens de faire un petit retour de course. Les deux, trois choses alimentaires que j'avais pris. Et là, je vais vous montrer en fait ce que j'ai pris qui n'était pas alimentaire. J'ai pris deux comme ceci. Donc, c'est deux nappes à colorier comme ceci. Donc voilà, c'est pour les enfants. Ensuite, j'ai pris des pyjamas. Il y en a un, il est déballé là sur... Bon, comme d'habitude, j'ai pas su terminer ce vlog avec tous mes ados et mes enfants, mais je vous repasse le passage parce que quelqu'un m'a dit « Je pense que tu devais nous parler des pyjamas et faire un retour dessus. » Donc voilà, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté deux pyjamas chez Aldi, un rose comme celui-ci, un vert en soie. Et j'en ai racheté un dernièrement que vous allez voir dans le dernier retour de course que j'ai fait. Alors, pour ce qui est du rose en coton, comme ça, il est juste nickel. D'ailleurs, j'ai racheté un gris en coton également. Il est juste nickel. J'ai pris large et franchement, il me va très bien alors que je ne suis pas très très finette. On est très bien dedans. Par contre, celui en soie que je suis en train de vous montrer à l'écran là, il est c'est infernal. Je ne sais pas le garder, je ne sais pas dormir avec. C'est la bonne taille, mais le problème, c'est qu'il me colle à la peau. Donc, c'est vraiment pas agréable. Donc, voilà pour le petit retour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Et je vous souhaite déjà de très belles fêtes et un joyeux Noël. À bientôt !